Bonjour, c'est Soumia Al-Harichi de la clinique du cheveu. Nous allons parler aujourd'hui de la chute des cheveux et spécialement la chute saisonnière. Bon, comme nous le savons tous, un cheveu naît, vit et meurt. Et à chaque fois qu'un cheveu meurt, il y a un autre qui le remplace. C'est ce qu'on appelle un cycle capillaire. Alors, le cycle capillaire chez l'homme est environ 3 ans. Chez la femme, il va jusqu'à 6 ans. Donc, la chute de cheveux n'est pas une fatalité. La chute, nous avons tous, dans une période de notre vie, une chute de cheveux. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir soit une période de stress, soit un changement hormonal, soit un accouchement pour les femmes, soit un problème d'anémie, soit un problème de thyroïde, soit la prise de certains médicaments qui comportent un risque de chute de cheveux, tout simplement la pollution extérieure, c'est une agression, comme d'autres agressions, qui est l'eau avec son calcaire, les UV, et puis on rajoute à tout ça les agressions chimiques, c'est-à-dire tout ce qu'on peut infliger comme agression extérieure, kératine, etc., à nos cheveux, et tout ça donne une chute de cheveux. Alors, ajouté à tout ça, il y a deux chutes saisonnières dans l'année. Il y a l'entrée de saison du printemps et l'entrée de saison de l'automne. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces chutes saisonnières? Il y a deux cas. Quand le cheveu se porte bien, c'est-à-dire c'est un cheveu qui est robuste, qui a une bonne racine, qui a une bonne élasticité, et bien la chute saisonnière, elle se passe normalement, elle dure 6-7 semaines et on a des cheveux qui repoussent en quantité suffisante et en qualité suffisante. Le deuxième cas, c'est quand le cheveu est déjà pendant toute l'année en train de tomber, il est affiné, il est dévitalisé, et ben il y a la chute saisonnière qui vient et qui accentue tout ça. Donc on a une chute chronique à laquelle vient s'ajouter une chute saisonnière. Et là, le cas peut être grave, il faut le dire. Pourquoi? Parce que quand le cheveu tombe, il n'est pas les repousses ne sont pas en quantité suffisante. C'est-à-dire, si on a 100 cheveux qui tombent, ben, il faut qu'il y ait les 100 qui repoussent. Mais si chaque année, il n'y a que 40, 60 qui repoussent, et ben, vous voyez le volume de votre cheveu qui diminue d'année en année jusqu'à devenir extrêmement faible en densité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, premier cas, cheveux en bonne santé. Il faut quand même prendre les devants et entretenir son cheveu, faire des soins à base d'huile essentielle, ampoule, c'est-à-dire on entretient, on nourrit son cheveu, on lui apporte les nutriments pour préserver son capital. Sinon, avec le temps, il finit forcément par s'affiner également. Le deuxième cas, qui est le cas sévère, c'est-à-dire quand on a déjà une chute, là, il faut vraiment traiter. Il faut traiter. Pourquoi? Pas pour préserver le cheveu qui est mort, de toute façon, il va tomber. Il faut traiter pour que les cheveux qui vont pousser soient en quantité suffisante et surtout de très bonne qualité. Alors nous, nous proposons soit les soins à domicile avec des produits très forts anti-chute qui sont pleins de nutriments et d'oligo-éléments dont le cheveu a besoin, soit on traite les gens avec de la stimulothérapie, c'est-à-dire qu'on va stimuler la racine pour que la repousse soit de très bonne qualité et qu'elle soit en quantité suffisante. Voilà. Et ainsi, la chute saisonnière passe, mais les repousses sont de très bonne qualité. Bon, il y a aussi un conseil que je pourrais donner aux gens. Pendant cette période spécialement, il faut absolument avoir une nutrition saine et variée, c'est-à-dire riche en protéines, en vitamine B, en oligo-éléments comme le zinc, le fer, le sélénium, par exemple. Et boire beaucoup d'eau, c'est très important. Il y a un apport très important en sélénium pour les cheveux dans l'eau. Voilà, donc si vous avez des questions ou si vous avez des soucis, n'hésitez pas à poser vos questions ou vous pouvez nous contacter directement dans notre centre. Nous sommes à votre disposition pour essayer de répondre à tous vos soucis. Merci.